Voilà, parfait pour une soirée cocooning, film. Ça, ça. Ça veut dire quoi à péter? Ça veut dire quoi à péter? T'as tes mots. Ya mama, uhibbuki kathiran. Si, si, si. Moi avec ma petite tuba. Et tic. Allez, t'es trop bien, la montre là, montre là. Attends, c'est moi qui. C'est moi bébé. Demain, j'aurai 26 ans. C'est cool là de loin. Donc, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Choufou, on va faire court. Léo, je vais me ridiculiser, genre un max. Manik, je suis fière de ce que je vais vous lire aujourd'hui. Léo, on va faire deux choses. J'adore ce genre. D'après le sondage, les tout comme, est-ce que vous voulez la recette des pop-corns ou que je vous lise les lettres que j'ai fait à ma maman quand j'étais petite, enfant, on va. Et bébé quand j'apprenais à écrire, donc maman, elle a gardé une boîte à souvenirs où il y a toutes les lettres que je lui écrivais. Je suis très 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 proche d'elle, genre je suis la plus jeune, Anna Yelmazouzia Tarda. Du coup, à chaque fois, maman, dès qu'elle était un peu énervée, j'écrivais une lettre. Je te jure, à chaque fois qu'elle était énervée, je lui glissais soit des lettres sous la porte quand elle se réveille le matin de Kalahom, ou là, je lui mettais, genre comme c'était un dentiste, elle avait son carnet d'ordonnances, entre les ordonnances, on a déjà le Kala. Et dès qu'elle prenait, genre, dès qu'elle ouvrait ses ordonnances, elle trouvait. Et j'achetais, genre, je lui disais, maman, t'es venue chez les bonbons, moi, ce que je faisais, c'est que dans la librairie, j'achète les petits trucs là où on écrivait les lettres de Vendina. Wow. Là, ils existent pas, après, je vais te montrer. Les anciens labels, même les petits trucs, tu ouvres, genre, c'est écrit je t'aime et tout. Ah. Et j'ai écrit plein de trucs. Dès que j'apprenais un mot en français, c'est beau là. Attendez, pause. Là, avant de continuer, bon, là, et je vais vous montrer aussi des photos de moi. Enfant bébé. Et bébé. Avant toute chose, quand vous avez choisi aussi la recette des pop-corns, du coup, Maria, tout de suite, en cuisine, on va faire des pop-corns. Enfin, attends, non, montre pas. Parce qu'on ne les a pas encore fait. Maintenant, je les ai fait maintenant, tout le cuisinage. Cuisiner, je me disais, attends, je fais les pop-corns, comme ça, je monte, je fais la première partie. Du coup, là, elle mange les pop-corns. Mais vous, vous l'avez pas encore vu. Bam. Magie du montage. On va se retrouver en cuisine. Là, bon. C'est trop bizarre. Tu l'as. Ouais. Tu vas la poster après. Alors... Ouais. On se retrouve en cuisine. Alors que pour faire des pop-corns. On est en train de bouffer les pop-corns. Bientôt, maman, je touche la recette. Donc, on va se retrouver en cuisine. Donc là, je vais faire des pop-corn salés, donc c'est-à-dire au beurre et au sel. Le deuxième, c'est caramel, genre du sucre sucré, et au chocolat. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est que nous mettons zibda ou nous mettons le melh. Après, on rajoute le maïs. Donc on prend une quantité de beurre, du sel, nous mettons le melh. Bien le beurre. On laisse fondre à petit feu, bien sûr, sinon il va se. Donc une fois que j'ai bien le beurre, j'ai douché le maïs. Toujours à petit feu, vraiment, vraiment à petit feu. Voilà, le premier bébé il est sorti. On va couvrir. Et attendre. Hop, 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 hop. On continue de bouger. On va zoomer ici. Tada! Ça sent hyper, hyper. Bon. Donc pour des pop-corn au caramel, ce qu'on va prendre, c'est... Anna, je vais prendre une tasse comme ça parce que je vais faire juste un peu. Donc de sucre roux. Donc j'ai pris de la cassonade. La même mesure, mais demi, c'est à l'huile. Une demi-mesure d'eau et une mesure complète de maïs. Toujours, toujours à petit feu. Ça commence à bouillir. Faut être patient. Ça fait 10 minutes et mes ailes ne baissaient pas les bras. Donc voilà.
Chouchou, le caramel, c'est bon, genre la texture est très là. Maintenant, reste qu'à attendre que le maïs s'éclate. On continue de bouger. Je mets le caramel ou mettre le harach. Hop, hop. Donc voilà, vous avez des pop-corn caramélisés. Super bon. Là, j'aime pas que les recettes disent que vous faites du caramel à part. Et le popcorn à part, une fois qu'il est le popcorn, vous versez le caramel, j'aime pas. Je préfère quand c'est comme ça. Je trouve que c'est plus bon, c'est... parce qu'il était mal caramel. Du coup, ça... vous aurez tout. Regardez. C'est trop beau. Regardez. Donc, ça donne ça. Khel matché ou hafi bala. Moi qui ai une addict de popcorn. Regardez, je trouve même que il y a du caramel. La recette des pop-corn au chocolat, on prend une cuillère à soupe d'huile. On fait ça, qui m'a les autres à petit feu, là sur terre je le pop-corn. Donc, on déchirage comme d'habitude. Entre temps, vous prenez votre tablette de chocolat ou de bohaf le micro-ondes. Chirage le chocolat, c'est le micro-ondes. J'ai mis bien, j'ai mis un peu d'huile baissée d'eau. Après, ce qu'on va faire, tout simplement le verser. Aïe, c'est chaud. On va tout simplement le verser pour le maïs et tourner à 4. Donc, une demi-tablette de Maxon et vous aurez des pop-corn chocolatés au chocolat. Donc, les pop-corn au chocolat, c'est une tuerie. Bon, vu comme ça, c'est pas beau. Mais croyez-moi, les pop-corn au chocolat sont super, super, super bons. Si vous avez jamais goûté à ça, vous allez kiffer. Après, ça reste des goûts. Donc, voilà ce que ça donne pour les pop-corn. On a ceux au caramel. C'est super bon. C'est pas beaucoup, beaucoup sucré. Donc on sent bien le goût du caramel. On a les pop-corn au chocolat. Faut laisser le chocolat à commis, ben ça. Parce que sinon, quelqu'un peut le directement se rendre, ça va vous faire mal au ventre. En plus, le goût, ça sera pas le même. Comme là, à Weebus, du coup, c'est croquant. Voilà. Ici, on a beurre et sel. Voilà, voilà. Parfait pour une soirée cocooning, film. Et c'est tout. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram, qui mettent les cookies. D'ailleurs, j'en ai fait à nouveau. Donc, ne les voulons pas. Ravie que j'ai pu vous la recette. On se retrouvera, du coup, dans la chambre. J'ai pas bougé une seconde et je suis de retour. Bismillah. Ouais. La pense à Morello. Faut dire que je ne connais, je n'ai pas vu encore les trucs. Elle n'a pas encore vu, genre elle va découvrir en même temps que vous. Là c'était une feuille. SLT. Ça veut dire quoi? Salut. Salut. Ça va? Ça va maman? Wishra ki les bes, hamdoullah. Je t'aime. C'est qui dit les bes, hamdoullah? C'est moi qui l'ai écrit. Avec l'écriture là qui. Donc les stylos, les khadjouama à la mode, brillant. SLT. Maman, Hannah. Elle a fait plein de petits cœurs. Regarde. For you, mom. I love you. Bye, Hannah. D'où je sais, moi? T'écris bien. Moi, j'écris très très mal. Un pavé. Non, c'était en 2009, wesh. Ça fait pas très longtemps. Chère maman, lorsque j'avais 2 ans... Chère maman, lorsque j'avais 2 ans... Bon, faut savoir que plus je grandis, plus l'amour de ma mère grandit encore plus. Genre, c'est ma vie. Lorsque j'avais 2 ans, maman, tu étais forte comme une force de Dieu. Tu étais belle, tu étais mesquine. Tu es toujours belle, maman. De toutes sortes de beauté naturelle. Tu étais douce et claire comme une eau courante. Ça se voit que c'est un texte qu'a Google, genre. Comme une eau courante. Tu connaissais ça en 2009. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ah. Tu étais surtout, maman, une large fleur tranquille qui se promène entre deux rives. Sous des cieux calmes, impossible. Ça se voit, Google. Poème mignon pour sa mère. Pour maman. Je t'aime, maman. Impossible. Non. Google. Mais c'est mignon.
Mais c'est mignon. Ça se voit, ta mère est en mode. C'était ce genre de truc. يا أمي أحبك كثيرا يا عزيزة قلبي عيدك سعيد. On peut tout, on écrit tout ce genre. Regarde genre l'écriture du turfu. T'étais trop mignonne. Ah je, c'était moi ouais. Attends je cache quoi. Regardez, ça c'est moi, c'est petite mignonne. Ça c'est Lily. Lily, je sais que tu vas passer par là. Amine. Lily. Là, ça te regarde pas, fais moi! Moi, je casse Chichi parce qu'elle n'aime pas. Regardez, ça c'est moi, la petite mignonne. Attends, on est d'accord qu'Aïmed il a jamais, il a pas changé de tête. Genre. Ouais, c'est mon cœur, Aïmed. Regardez qu'est-ce qu'il m'a fait, genre, Oudounen la Haymar. Montre! Allez, Maya! Papa, quand il avait encore les moustaches noires. Là, c'était à la mode faire genre les photos donc. Les yeux verts. Attends, je crois que c'est moi ici, non? Ça. On a dit que j'allais montrer mes photos enfant, pas adolescente, mais je vais vous faire un update. Bon, je cache ma tante. Regardez la tenue du turfu. Ouais. Oui, c'est pas horrible. Oui, regarde après. Attends, j'ai trouvé. C'est une photo, t'es à rouille. Je te sens. Avec mon cousin. Son. Sa. Son. Mon cousin qui était quoi de l'époque hard rock. Few moments later. Continue avec les photos de moi. Regardez, c'était mignon. C'était trop mignon. C'est ce genre de petites lettres. Regarde. Après à l'intérieur. Ya mama, uhibbuki kathiran, arfa'u qalami alayki ya mama. Regardez. Dites-moi en commentaire, est-ce que tout ma canette vous écriviez ce genre de truc. Notre là, je vais pas tout lire, hein, parce que ça va faire trop. C'est Hana. J'ai envie quand on passe une nuit blanche en lisant tout Hana ça. Hana plus maman a pété. Ça veut dire quoi a pété? Ça veut dire quoi a pété? Ah, je connais moi a pété. Amour pour toujours. Il a dit, parce que mon père c'est un prof, il a dit dans toutes les toilettes du lycée, il s'est écrit a pété, a pété. La première d'autres. A pété ou L'amour, un truc du genre. APV. Amour pour la vie. Je t'aime, ya mama. Je t'adore, je te souhaite une bonne santé et pleine de joie et de bonnes heures. Bon, je vous laisse lire par vous-même. L'écriture et les fautes, on adore. Non, je vais jouer à l'air, maman. Chère maman, je voulais te dire, chère, regarde comment je l'ai écrit. Je voulais te dire que je t'aime à fond. Ou les chiquilles des chats d'Inir. Elle t'a assisté où je t'aime. Zikchir. Là, c'était Tlev. Ah, t'as écrit une note derrière. Tu sais, maman, le paradis m'a appelé. Ils m'ont dit qu'ils avaient perdu leur plus bel ange. Ne m'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je vais pas te dénoncer. Belek. Ne t'inquiète pas, je vais pas te dénoncer. Non, mais c'est elle, l'ange, c'était en 2009. Waouh. Wow. Mon... T'es moi la belle. Regarde, t'as fait moi. Quoi d'autre? Oh, y'en a une ici. Regardez, ça c'est Nana. Elle était trop belle, wesh. Bah oui, c'est Nana la mignonne. Qui va bien. T'as pas changé ma liste? Demain, j'aurai 26 ans. Si. Bon, je vais pas tout vous montrer aussi, hein. Juste quelques. Un photos. Message de la mère. T'étais une zèle là. Maman? Oui, grave, je suis en train de voir les photos. Ah, c'est une bombasse. On disait que moi, Sissi et notre cousine Zouzoun, on était toujours ensemble, c'est qu'on n'est pas. On va que montrer Anna.
Donc on était vraiment tout le temps ensemble. Nick Nasa. Donc là c'est moi. Elle c'est moi. Elle c'est Sissi et elle c'est ma cousine Zouzou que j'aime énormément. Donc on était ma sœur. Regardez, là c'était moi avec Tiku. C'est qui, mon Tiku? Petit chien. T'as un chien? Oui, c'est Tiku. Si, si, si. Moi avec ma petite, tu vois. Et Tiku. Allez, t'es trop bien, t'es là, montre-la, montre-la. Attends, c'est moi qui viens, on est devenu. Ça, en fait, c'est ma cousine, c'est elle. Regardez. C'est l'anniversaire à ma cousine. Regarde, commentaire si vous voulez que je qu'on fasse une deuxième partie. Oui, je vous montre les photos. En plus des vidéos, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie où vous voyez comme les photos parce qu'on a beaucoup et j'ai grave envie de... Attendez, trop belle celle-là. Une bébé avant de partir. En fait... C'est moi bébé. Donc voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de partager mon intimité avec vous parce qu'il y a de la boîte à souvenirs. Surtout elle. Elle nous tient énormément. Ça m'a choqué. Ça nous tient énormément. Ah vous qui avez tout vu, c'est de la photo qui l'a choqué. On vous fait de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on vous aime.